Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un réel plaisir aujourd'hui de nous retrouver parmi vous. On venait en tant que membre observateur il y a deux sessions déjà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, justement, nous avons cet honneur d'avoir cette chance aussi d'être partenaire, en quelque sorte, si je veux dire, à l'AIL. La Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé est une fondation à but non lucratif qui poursuit des objectifs essentiellement à caractère social. Donc elle œuvre dans tout ce qui est soins, recherche, formation, avec une université Mohamed VI des sciences et de la santé qui représente toutes les disciplines de la santé, la médecine, la chirurgie dentaire, la médecine animale et humaine, bien entendu, l'ingénierie médicale, un lycée d'excellence et en résumé 15 entités avec beaucoup de structures hospitalières, celle de l'hôpital Mohamed VI universitaire international Mohamed VI de Bouskoura, l'hôpital Cheikh Khalifa et bientôt d'autres structures à Rabat, à Dakhla, à Tsaza et beaucoup d'autres villes du Maroc. Et donc aujourd'hui, nous mettons à disposition tout cet arsenal. Donc, je rappelle, comme vous l'avez dit au début, que nous sommes une fondation à but non lucratif et nous mettons tout cet arsenal pour le développement justement de la médecine, dans l'accompagnement, bien entendu, et pour la coopération. Nous avons déjà énormément de partenariats en Afrique et en Europe. Et donc, nous souhaitons à chaque fois développer ce partenariat, comme je le disais, pour le bien de la santé humaine en général et la santé de nos concitoyens en particulier. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Thank you very much for this explication. And then I have to ask a formal question to this meeting. Do we all agree to accept the Fondation du Roi Mohamed VI as an associate member of AIM? Nobody against? No. I think they can agree. Okay. Thank you very much and welcome again. Then we have a practical thing that's just for information, that are the changes of the AIM member delegations in the General Assembly.